Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit vlog aujourd'hui pour parler de ce fin de mois qui est plutôt encourageant quand même. Alors bien que il y a des vidéos qui me surprennent, il y a des vidéos qui marchent mieux que d'autres, alors que je pense que c'est l'inverse. Donc je sais pas trop comment ça se fait. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc on va aussi parler du guide du survivalisme numéro 3. Et donc là je suis en train de tourner en même temps, enfin de façonner un petit peu le tournage, enfin façonner un peu ce que j'ai fait par rapport au tournage, histoire de régler les petits soucis qu'il peut y avoir. Au moment du tournage, bon, comme ça je réévalue sans rien. Donc ça sera l'épisode qui sera un mois premier. On apprendra une technique de survie. Quelque chose de très utile. On a vaguement parlé déjà dans les vidéos, mais là on va vraiment se concentrer sur la technique. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, sinon ça va avoir intérêt. J'hésite à mettre un petit travers pour mettre dans la bouche, mais bon, on n'est pas non plus. Je suis pas une chaîne de télé où je dois faire des vues, ça, mais bon. Mais bon, je ne vais pas le faire, sinon on va. Ça va plus être une chaîne qui sera. Voilà, ça va être. Voilà. Je ne vais pas arriver à une chaîne qui soit tout à clic, qui soit complètement. Hors sujet à la fin. On va quand même rester dans le sujet. Donc pour l'épisode 3, il sortira juin, je pense, fin juin, parce que j'ai fait déjà pas mal de tournages, mais voilà, là je commence à avoir des rushs assez beaucoup de rushs, et donc il faut juste voilà, faire le meilleur pour que ça soit mieux. Ensuite, je vais mettre une vidéo simulation d'évacuation avec le salle d'évacuation. Donc, pour l'instant, je sais pas. J'ai filmé tout ça, bordel, machin. Je sais pas trop comment ça me rend à l'écran, comment ça me vu, perçu. Je vais essayer de montrer quand même histoire de voir. Voilà, si ça peut être intéressant de le faire, parce que bon, à l'écran là comme ça, je vois les différents refs, ça fait un peu voilà. Donc je vais voir pour le faire. Les prochaines vidéos, donc j'ai déjà commencé à planifier pour celle du mois de juin, donc début juin, hein, voilà. Là j'essaie vraiment de prendre l'avance pour essayer de d'étouffer un travail sur quelques jours, et puis après avoir du relâche, parce que bon, une vidéo par jour c'est chaud. Pour ça, là en moyenne c'est une fois tous les 2-3 jours que ça suit, une fois une pause, c'est aussi bien. Bon, voilà. Ensuite, donc j'ai eu pas mal, j'ai eu quelques avis par rapport au sondage que j'avais fait. Suite au générique, donc les gens sont assez l'avis est quand même assez assez partagé, donc, mais je pense que pour les vidéos vlog ou vidéo où je blablate d'un truc et qui dure un certain moment, je mettrai donc le deuxième, le premier, le troisième. Et à la limite le deuxième pour les guides du survivalisme ou autre, je sais pas. C'est vrai, le deuxième est assez long, vraiment long. Moi ce que j'aime beaucoup en troisième, c'est que ça soit assez rapide. Donc j'ai rajouté des transitions entre les images. Ce qui fait que ça rajoute une dynamique autre que juste s'enlever comme ça. Et aussi elle dure, le générique dure 40 secondes pour le troisième,
ce que je trouve quand même bien. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que moi de mon côté, j'ai les analytiques de ma chaîne. Je vois des fois les vidéos, les gens ne regardent pas forcément à la fin, enfin en moyenne. Et donc un générique trop long et trop fréquent, je vais faire en sorte que ça saoule et qu'on passe. Donc je vais essayer de changer assez souvent pour que ça soit pas toujours le générique soit un peu une fois là, une fois pas là et puis ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au début de la chaîne, il n'y avait pas de générique, il y avait les vidéos soft. Hein. Là, c'est vrai, quand je fais parfois, c'est des vidéos avec des titres. Alors, ça rajoute de la dynamique, certes, mais au début, je ne me voyais pas faire un générique. Mais bon, c'est plutôt intéressant. La musique est quand même assez. La musique, elle va donc même. Pour moi, elle est vraiment survie. Donc, moi, j'aime beaucoup la musique. Et je pense qu'un jour, quand j'aurai assez de rush pour faire un générique vidéo, c'est-à-dire que ça sera pas des images, ça sera des vidéos comme dans une série parfois, ou. Je vois même pas de série. Ouais, enfin, des séries en général, quoi. Donc, voilà. Pour ça, bon, l'épisode qu'on en a parlé, les génériques qu'on en a parlé. Voilà. Je pense que dans ce vlog, on va faire le tour. Il y aura aussi des nouveaux trucs qui vont arriver. Hein. Je pense à un nouveau format aussi qui arrivera d'ici quelques temps. Alors, ça sera un. Alors, je rajoute pas mal de nouveaux formats. C'est. J'ai pas seulement envie de parler de survie dans le cadre d'apprendre à survivre, j'ai aussi envie d'en parler dans différents domaines, différentes choses. Ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, comparer un film à comparer en réel, par exemple, faire un comparatif de ce que dans le film ils font et de ce que nous on ferait en vrai. Voilà. Donc, alors. On pourrait faire un comparatif. Je viens d'avoir l'idée là. Non, en se faisant cette vidéo, je vais d'avoir pas faire la critique d'un film, par exemple, dans la survie, mais un comparatif. Voilà, c'est une bonne idée. Donc, c'est bien de faire des vlogs puisque ça donne des idées. Voilà, je pense avoir tout dit pour le vlog. Donc, on va s'arrêter là. Et puis pour les gens qui m'envoient des commentaires, pour les gens qui s'abonnent au fur et à mesure, merci. Ça fait toujours plaisir, même si c'est vrai que ça commence, les abonnés, ça commence à baisser un peu. Je sais pas si je vais essayer tu vas en avoir. Alors au début de ma chaîne, c'est pas forcément j'ai 1 million d'abonnés. Mais que le message arrive à plein de gens et que la chaîne fasse peut-être pas changer d'avis pour les gens, mais il peut y avoir que le message que la chaîne porte bien le message. Voilà. Bref, voilà, sur ce, moi je lui dis. Je vais arrêter là pour ce vlog, sinon je vais encore blablater pendant 1 heure. Voilà. Moi je vous dis, soyez prévoyants, faites vos préparations tranquillou, mais faites-la. Et puis, moi ma fille, il n'y a jamais de problème, il n'y a que les solutions. Je vous dis bye bye, ciao, mes amis, à la prochaine, ciao.